what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. God is grace of his to do the game. Born in actual born fighter. I beat this God blaze, horse and nigga bitch. The law for the Susan, it's kicking with intelligence. In my gathering, sound is trumpet, the poses. Beat is ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call when you eat TV. A pro that's gonna make it do a new city. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Mutic is only made with high quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, Joie de Vivre of Cameroon. If you're feeling down, I think I got good news. The massage of that stress is the core. And as usual, today I want you to be the DJ and I'm going to be the MC. Today I'm here to talk about somebody very, 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 very important in our society because he played that role. As an international soccer player, a goalkeeper, he made a name for himself. Today, a businessman, a football consultant. That's just a clue of what the inside is going to look like. It's going to be weak and wacky. I want to see you on the other side because I'm Queen B. Love ya. Well, people, it's not just all about entertainment, but we host people with a very rich history. The story, the message that passed through on the call is just simply to inspire you. It's time for you to wake up, you know, kid on the burning, what I call complex. Today, I want to say nature is almost against us, but I want to say it's a blessing on the call. So we're going to do more of inside and not outside. No one knows, maybe Jai is going to bless us. It's about to rain, so we're going to get in. Understand? This is the resident, I call it the creep of the famous. Hey, come on. Are you surprised? From South Africa, they've always wanted to have you on the call. America's like, mais tu as tu fait l'émission avec les gens, mais oui, and them. On nous dit qu'il habite au Cameroon. Thank you so much. It's my pleasure to have you on the call. So how are you doing? Yeah, merci à toi. À peu près. Moi, je suis cool, hein? Je suis pas un talent aujourd'hui. Okay, Africa, I'm so blessed. I'm happy, you know, honored. It's a privilege standing beside that man. You know, he has made a name for himself. It's an inspiration. I want to say I'm a fan. Yeah, I'm a fan. No doubt. So, Mr. Adam Williams, you're based in this neighborhood. This is Douala, East Cameroon, you know, in Africa. It's a very beautiful place. I would stop doing the talking because from this point, he's the actor. So, how was your night? Comment était la nuit? Ouais, la nuit a été bien. J'ai bien dormi. Dieu merci, je suis debout. Et je veux voir comment la journée va se passer. Sinon, je suis très content que vous êtes venu chez moi. Ok, thank you. Et ici, là, on appelle the coldest neighborhood, is it Lokpom? Lokpom. Pourquoi vous êtes venu baser ici à Lokpom? Bon, ce que je peux dire, j'ai choisi Lokpom. Pourquoi? Parce que c'est un coin qui est reposant, un coin calme bien. Et ce qui fait que quand je suis venu acheter un terrain à Lokpom, j'ai pu faire ma petite maison que vous avez vue. Et aujourd'hui, avec la reconnaissance de tous ceux qui ont vu le football au Cameroun et à l'étranger, et ils ont pu me dédier le nom du Carrefour, qui est indemne, Carrefour indemne. Et je suis très content. Et tout ça, c'est avec l'appui des autochtones de Lokpom. Donc aujourd'hui, je suis un enfant de Lokpom. Et je compte finir toute ma vie ici, même si je ne suis plus là demain, les enfants ils seront là et c'est pour eux. Donc je suis très content d'être ici à Lokpom. So for how many years have you been living in this neighborhood? Combien d'années que vous êtes ici? Bon, j'ai construit une maison en 97. Donc j'étais l'un des premiers toujours tous ici en route. Pourquoi? Parce que les gens habitaient un peu loin dedans et ils avaient peur de construire devant. Ben moi j'ai eu ce courage et avec l'aide de la famille et on a pu bâtir ce qu'on a pu bâtir ici à Lokpom. So you moved into this neighborhood. Where were you based before?
Vous étiez à Basé où avant de venir ici là? Bon, vous savez, comme tout le monde le sait, j'ai grandi à Neubel. Et c'est là où étaient toute ma famille, mes parents, mes frères et tout. Et dès que j'ai eu la chance de pouvoir me faire construire, j'ai eu ma première maison à 17 ans. Quand j'étais à l'Union Douala. L'Union Douala. Oui. C'est là où j'ai commencé ma vie. Et c'est à partir de l'Union que j'ai pu construire ma petite maison à Bonaberry, qui était une villa. Oui. Pour un jeune de 17 ans et avec le salaire que j'avais dans l'Union, ça m'a permis au moins de construire cette maison. Bon, aujourd'hui que j'ai pu aller jouer à l'étranger, j'ai eu un peu ce que j'ai eu. Et ça a permis de réaliser un peu plus que ce que j'avais à Bonaberry. Donc, je suis content de train de vie que je mène. Et à l'époque, quand vous avez construit votre première maison à l'âge de 17 ans, les gens posaient beaucoup de questions. Mais lui, il est seulement, he's just a simple player. He plays for Union Douala. L'argent, votre, c'était seulement le football? Non, c'était le football. Jusqu'à, je peux ne vous dire. Pas autre chose, business? Non, non, non. À 17 ans, on ne pouvait rien faire puisque quand j'ai quitté Newbell, en Ganguet. Ça veut dire que vous étiez bien payé alors? Non, non, mais je peux vous expliquer. Quand j'ai habité en Ganguet, après, je suis allé habiter au foyer de l'Union. Oui. C'est à partir du foyer de l'Union que j'ai eu cette idée. Déjà que j'avais ma grande soeur qui était mariée avec un monsieur de Bonaberry, Abunamkano. Oui. Donc, ce qui fait que mon beau frère. Il m'a dit, bon, mon petit, ça c'est un terrain, mais tu peux me payer petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'avais un salaire de combien de 30 000 francs dans l'Union Douala. Et ce qui fait que je faisais mes économies, et moi et la famille, on essayait de faire des efforts. Parce qu'avec 30 000 à l'époque, c'était pas aussi beaucoup, mais ça permettait au moins d'acheter quelques sacs de ciment. Et c'est là où j'ai commencé. Je me rappelle que j'ai eu des amis qui ont commencé à dire, mais attends. Tu ne peux pas construire une maison avec 30 000. J'ai dit, bon, mais je vais essayer là où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Oui. Donc, quand je prends l'exemple d'un ami que tout le monde connaît bien, qui est un ami qui était un frère, qui s'appelle Boyokino. Okay. Donc, puisque j'habitais avec lui, j'ai grandi avec lui. Donc, c'est lui au moins qui. Quelque part, il m'encourageait. Quelque part, il n'était pas sûr que je pouvais construire une maison avec 30 000. Oui. Bon, mais quand j'ai eu 30 000, j'avais mes primes de match avec l'Union, j'avais mes primes avec l'équipe nationale du Cameroun. Quand on allait faire un stage à Yaoundé, on avait peut-être un mois de salaire. En dehors de ces réunions, on payait et les primes de match. Donc, avec ça, j'ai essayé de m'arranger. Ce qui fait que j'ai construit un maison. Donc, en dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre que je faisais derrière. Donc, moi, je crois que quand on veut que je sois, on peut le faire. Andam William, a crossroad, Carrefour, named after you, Carrefour Andam. Don't you think like, do you feel like you owe something back to those people living in this neighborhood? Non, je ne crois pas. Vous avez quelque chose à donner pour ces gens? Bon, je ne crois pas. Et quelque part, je crois aussi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai eu à donner aux Camerounais, oui. Peut-être c'est ça qui a fait que ma récompense soit le nom de ce Carrefour. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît le travail des autres. Yes. Mais c'est ceux qui ont reconnu. Je vais remercier aussi tous les taximans d'Aquanor, de l'école publique. Parce que c'est à partir d'eux et ceux du quartier et le chef du quartier avec tous ceux qui étaient aux entourages qui ont décidé de donner mon nom au Carrefour. Donc aujourd'hui, je sais quand même, si je ne suis plus là, j'ai quand même un nom qui va rester pour toute la vie. Donc je suis très très content pour ça. From almost nothing to something really, really bigger. You know, the essence of the core is to inspire, is just to inspire that courage in you, that belief in you, that you can come out from almost nothing and make something meaningful out of your life. This is the crib, you know, just one of his practice, you know, as they say. He had a dream and today he's living that dream. What do you want for yourself? What can you do for yourself? So right now, Mr. Andam is going to take us maybe in and out of his crib. So maybe we're going to start this way because I see something like a garage. Who came up with the plan? En fait, j'ai un ami qui a toujours construit, qui m'a aidé, qui est aussi comme un frère à moi. Il s'appelle Chokunte Briand, qui travaille à la SNET et c'est un entrepreneur. Yeah. Et c'est lui qui a pu me construire cette maison.
Et c'est lui qui a conçu mon hôtel que j'ai. Okay. Et c'est lui qui a conçu mon immeuble. Et même la municipalité que j'ai, c'est lui qui a fait. Donc lui, c'est un frère à moi déjà. Donc Dieu a pu m'envoyer une personne comme celui-là. Okay. Et avec celui qui avait commencé, qui s'appelait Boyokine aussi, qui avait commencé tout ça aussi ensemble avec Chukunte. Donc c'est les gens que Dieu m'a envoyé. Donc aujourd'hui, je dis merci et je ne regrette pas. Ok. Donc, c'est votre garage? Ouais, là, c'est mon garage. Bon, mais il n'y a pas de voiture. Les voitures sont un peu garées un peu de partout. Okay. Et là, c'était chez ma mère, avant qu'elle ne soit décédée. Et bon, aujourd'hui... Okay, cette partie, c'était pour maman. Ouais, c'était pour maman. Bon, aujourd'hui, c'est ma grande soeur qui est... Attention, gars, attention. Sorry. Oui, donc ce côté, c'était pour maman. Oui, c'était pour maman. Et aujourd'hui, c'est ma grande soeur qui est là, avec ma cousine et ses enfants. Puisque maman ne vit plus, donc je ne pouvais pas rester dans toute une maison seule comme ça. Donc j'ai dit qu'elle reste là aussi, qu'elle profite de tout ce que sa maman l'a laissé. Donc après j'ai fait aussi là-bas pour des amis. Ouais. J'ai deux chambres pour des amis et des visiteurs, ceux qui peuvent me rendre visite, que je peux pas aller, bon, où soit je les loge ici, soit je les loge dans mon hôtel. Donc j'ai aussi ces deux chambres-là qui sont là pour eux. Bon, en fait, c'est tout, c'est ça la maison. Ça vous a pris à peu près combien d'années pour come up with the structure? Vous savez, quand vous avez de l'argent, et vous pouvez faire un an et demi. Mm-hmm. Bon, déjà qu'on n'était pas pressé, déjà parce que j'avais une autre maison à Bounaberi, donc quand j'arrive au Cameroun, on avait le temps de rester là-bas et faire des petits travaux. Okay. Et c'est mon époux qui s'en chargeait parce que moi, je ne pouvais pas être au Cameroun et au Brésil en même temps. Cette maison, je l'ai conçue quand j'ai joué au Brésil. Okay. Donc elle avait tout le temps de venir chaque fois faire ça. Donc là, ça a fait pratiquement un an et demi pour pouvoir planter ce que vous voyez là. I noticed something. You've been talking about mon époux, votre époux, et à la maison, you have your sister and his children. Where is your wife? She's based abroad and you're in Cameroon. Oui, actuellement elle est au Portugal. Avec les enfants. Avec les enfants. Combien? Parce que les enfants, ils sont quatre, parce qu'ils sont en train de fréquenter. Wow. Et ce qui fait que moi, comme je ne joue plus, j'ai estimé rentrer au Cameroun parce que après football en Europe, c'est pas facile de rester. Right. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, ou vous avez eu des moyens, et tout ce que j'ai pu faire, c'est d'investir au Cameroun. Donc aujourd'hui, si je n'ai pas un travail à faire en Europe, ça ne vaut pas la peine que je sois là-bas. Donc, il faut au moins revenir et remettre tout en place. Mm-hmm. À partir de ça, ça peut nous permettre de vivre et faire autre chose. Ce n'est pas cher comme ça, papa ici, les enfants et les mamans. Et quand vous avez besoin d'amour, ça se passe comment? Regarde la maison, c'est grand et vous êtes seul. Ouais, je suis seul. Bon, ben, la vie est faite ainsi. Donc, à un moment, il faut se sacrifier, il faut décider, savoir ce qu'on veut. Okay. Bon. Aujourd'hui, je veux que mes enfants aient une bonne éducation. Okay. Sinon, je ne veux pas dire qu'au Cameroun, on n'y a pas de bonnes écoles. Il y en a. Okay. Mais sauf qu'elles ont commencé avec le portugais. Donc, j'ai estimé qu'elles devaient peut-être finir. Après, là, elles vont choisir soit revenir au Cameroun, soit rester là où elles veulent. Mais les mamans, quand même, elles sont noires. I don't want to be racist. Cameroonian? Non, c'est une Camerounaise. Ok, that's wonderful. Ça n'empêche pas que je puisse me marier après. Non, c'est des blagues. Bon, en tout cas, bon, c'est. Okay. C'est ça, quoi. Donc, j'ai remarqué autre chose. Vous parlez français mieux que l'anglais. You are a Nigerian, a Cameroonian. I would like to know about your origin. Non, c'est mon père qui était nigérien, maman elle est ici, donc j'ai plus fréquenté l'école anglophone. Comme je ne pouvais pas faire tous les deux jouer au football aller à l'école, donc c'est ce qui m'a permis de choisir le football. Et l'école on a fait un peu, on a arrêté, donc plus au quartier je parlais plus français qu'anglais. Ce qui fait que, j'aime ce côté-là. Ce qui fait que je parle un peu. Un peu anglais et plus français, quoi. Ok, so you school in Douala? Et ouais, j'ai fait la Douala, Bounapouzo et on a notre école aussi qui était au marché central. Ok. Donc, c'est là où j'ai pu faire mes études. So, when and why did you decide to stop going to school? Parce que ça a été à cause de football? Was it because of football? Is that why you stopped going to school?
Oui, c'était aussi un peu. C'était, on appelle ça classique. Classique. Ok, donc quand je voyais la situation de la famille entre mon père et ma mère, donc c'était pas. C'était ça, mais c'était pas trop ça parce que mes parents n'étaient pas très riches, quoi. Okay. Donc à un moment, quand je voyais, je disais, mon père, il a de l'argent. Il peut se faire bien construire et nous sommes en location. Donc je me suis dit bon. C'était toujours à Nouvelle. Toujours à Nouvelle. On habite à Nouvelle, Bonapiso et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi je ne peux pas le faire si aujourd'hui je peux essayer de jouer au football. Parce que j'étais à l'école, on sortait à 12h30 et le temps que j'allais m'entraîner avec l'unité, il était 14h, donc je ne pouvais pas arriver. Okay. Donc c'est là où j'ai donc décidé ou l'école ou le football. Donc j'ai eu cette chance. Que je suis vos allé. Parents étaient d'accord pour ça? Oh, vous savez, avant les parents n'étaient jamais d'accord, ils voulaient quand même que les enfants fréquentent. Oui. Comme j'étais un peu têtu, je suis le dernier fils de ma mère et chaque fois il fallait toujours que je sois à côté d'elle pour qu'elle sente qu'il y a mon fils qui est là et tout. Et parfois j'étais obligé de fuir parce que à l'école publique de nuit de Angangela, il fallait quand même qu'on joue avec des amis. Okay. Donc c'est après là qu'elle me l'a compris que non, bon, si le petit, mon fils a décidé de jouer au ballon, qu'on lui laisse faire. Mais ils n'étaient pas trop d'accord. So, if I understand something much about your origin, it means your parents, they're from Nigeria, that's Lagos. But you were born in Cameroon. I was born here. All my family, ma famille. How many in the family? Because you are the last, the Benjamin. Nous sommes six. Dieu m'a aidé, Dieu a vu la situation. Il a dit non, vraiment, il faut aller, ça va, ça peut t'aider. Ooh. Ooh, it's beautiful. So at what time do you go to bed? It depends. Ça dépend, vous êtes souvent debout ou après le business directement à la maison venez. Ouais, justement, parce que j'ai mon petit bureau là aussi, donc... Okay, your little office in your room. Mm-hmm. Wow, it's cool. Donc, c'est pour... We are puffing for the core, and you out there. It's rather unfortunate that you can come here to your TV set, but we're gonna do a toast. Donc ça c'est à propos de ce moment. Oui, c'est pour. Thank you. Thank you. It's beautiful.
Oh, you know, I guess you know, a woman. No, c'était pas difficile pour vous? Non, c'était pas. Adam Williams, you know, internationally recognized, non, women flogging. C'était pas difficile puisque à partir du moment qu'on choisit la personne avec qui on peut être, donc c'était pas trop difficile. Vous savez, quand tu es star, tu es appelé à avoir beaucoup de femmes, donc tout ça, ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Okay. Donc c'était pas difficile, ça va quoi. And how did you know that she was like really for real? Cette femme, c'était fait pour moi. How did you know that? C'est une chance que j'ai eue dans la vie. Donc tout ça, ça dépend de la chance qu'on peut avoir. On a commencé ensemble. C'est vous qui avez dragué? C'est commencé comment? You're surprised. I'm asking the kind of question. C'est passé où? Un point match? Non, bah, c'était aux Intercartiers, si je me rappelle bien aux Intercartiers, donc c'est à partir de là où je l'ai connue. Mais sinon, elle est venue après parce que j'ai ma première fille avec sa mère avec qui je vivais. Okay. C'est après que ça n'a pas tenu, donc j'ai donc choisi Sylvie. Okay. What kind of advice would you want to give young girls, including me, you know, that are going about getting all a right husband, you know, that right partner. What advice we want to give, you know, youngers? Tu sais, aujourd'hui au Cameroun, c'est difficile. Donc, je crois, tout c'est la chance. Il y a tellement de femmes, il y a tellement des hommes. Je crois que si, pendant que tu veux te mettre avec une femme ou une femme veut se mettre avec un homme, il faut que les deux s'acceptent d'abord, qu'on fasse confiance, qu'il y ait la confiance d'abord au milieu. Et c'est à partir de ça que tu peux estimer si avec cela tu peux continuer ta vie ou pas. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont plus pour de l'argent et ceux qui vont plus parce qu'ils veulent s'amuser et partir. Mm-hmm. Alors qu'ils savent que l'autre côté, quelqu'un d'autre est en train de tenir à eux. Mm-hmm. Donc je crois que quand deux personnes s'aiment et qu'ils se font confiance, parce que quand vous êtes ensemble, vous n'avez rien à vous reprocher. Mm-hmm. Donc vous pouvez faire votre vie comme vous l'entendez faire. Mm-hmm. Et je crois qu'à partir de là, tu peux trouver quelqu'un pour avoir la chance et trouver la famille pour lui. Mr. Andam, you've come a long way, and I know that you have a lot of responsibilities, you know, upon your shoulders. Well, what kind of education do you instill in your children? Papa est riche. Oui. Come in. Bon, les enfants, l'éducation que je leur donne, c'est qu'ils respectent d'abord les autres, qu'ils se respectent entre eux les sœurs. C'est pas la tête, papa est riche. Non. Elle-même, surtout ma fille aînée, elle sait que papa est riche. Mon papa n'est pas riche, papa se cherche. Wow, that's good. Bon, elle sait qu'elle-même doit se chercher. Mm-hmm. Donc, il faut qu'elle fréquente, qu'elle ait ses diplômes. Mm-hmm. À partir de ça, elle va aider ses soeurs. Mm-hmm. Puisque demain, si papa n'est pas là, il faudra aussi qu'elle fasse sa vie. Donc, je crois que l'éducation que je dois à mes enfants, c'est d'abord se faire respecter dans la famille, se respecter entre eux, les soeurs. Et maintenant, on fait l'école et c'est à partir de là qu'on peut avoir une bonne famille. Ok. I think it's time for... Là, viens boire ton... There's a glass for my director. Ah, tu t'offres un grand champagne, là, gars. Eric Mafia, welcome. Mais qu'il ne boit pas beaucoup, hein. No, I'll drink my chest a little bit. Okay, thank you. Just... Chin-chin, and may God bless you. Thank you. You're welcome. Back home, you know the address, a simple channel in your comment, anything, because you're supposed to be part of this program. The show is going on at yahoo.evra. You know, for more information, go to our web page, the code, the skyblog.com. The G, that's the blog, ends with a G. I know you want to be in my shoes, don't bother. I love doing what I'm doing. We'll be back.
Are you a happy man today? Oui, yeah. Ouais, je suis très heureux. Bon, Dieu a aidé. C'est pour ça que je te dis que je suis un homme très, très content, quoi. Parce que ce que j'ai eu, c'est pas beaucoup de gens. Je profite même, je dis mes félicitations à mon ami Kala, Kala Kongo, parce que là, c'est lui qui a ça. Voilà. Ça, c'est le cas de faire là aussi. Donc, je crois que c'est le fruit du foot. Ça fait que si tous les Camerounais, tous les footballeurs pouvaient faire la même chose, ça serait très, très bien pour le football. Hein. Pour le progrès du pays. Donc ça, c'est la maison des Kala Kongo. Donc oui, c'est Kala Kongo qui est en train de faire la même chose que moi à côté. Et je crois que tous ces jeunes-ci pourront aussi faire la même chose n'importe où en Afrique. Quand on parle de football, on dirait aussi que les joueurs camerounais ont investi dans les pays. Et je suis fier, pourquoi ? Parce que j'ai montré le bon exemple. Donc moi j'ai commencé à 17 ans, aujourd'hui j'ai peut-être un immeuble et juste à côté de mon voisin, c'est Kala. Donc je sais qu'il y a les sons, les caminos et les guitares qui sont en train de faire des choses avec les taux aussi. Donc j'espère que les autres, les plus jeunes vont aussi faire la même chose. Comme ça demain quand ils ne jouent plus, ils pensent qu'ils ont les arrières déjà garantis. Donc j'appelle tout le monde à faire la même chose comme moi. Que la France connaît, c'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents. Tout ce que j'ai gagné dans le football, je l'ai investi ici, en dehors de l'hôtel, la maison et la municité. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai investi tout ce que j'ai pu gagner dans le football ici. Donc aujourd'hui, je suis content. Tous les Camerounais, quand ils passent au Lyon, c'est pour Andy Williams. Et les gens me félicitent beaucoup. If you want to compare your life as, you know, a footballer and a businessman, where do you have a peace of mind? A peace of mind? Vous êtes tranquille dans le business? Non, je suis tranquille. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Yes. Donc, je fais ce que nos parents ont fait, nos grands frères ont fait. Donc, quand j'ai investi à l'immobilier, je suis content parce que c'est une garantie pour moi. Donc ça fait que je n'ai pas peur. Donc je suis sûr que si j'ai, en fait, quand j'ai 18 locataires, je suis sûr au moins qu'il y a 8 qui vont payer et ça peut me permettre de vivre avec la famille et tout. Donc c'est un truc que si je pourrais en faire plus, je le ferai quoi, sans regretter. Because I know today with your Union de Douala, when you call the name Union de Douala, you think about the big guns, you know, those people who are there molding up the stem. And you're one of those people, Andam Williams. So you're highly solicited today in the stem because you're always there during the entraînement, tout ça là. Donc aujourd'hui, ça se passe comment? Because I understand the level of Union, the football, there's a lot of like squabble, cacophonie, comme on dit. Ça monte, ça descend. What is going on? Because I believe you are the best person to tell me, because you're somehow directly involved. Bon, en effet, l'Union c'est un grand club, on le sait. Aujourd'hui, l'Union n'est pas bien dans le championnat. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit que les dirigeants ne sont pas bons. Mais il y a un problème de méfonds, ce qui fait que les gars ne se retrouvent pas. Mais sinon, le président, donc, il fait tous les efforts pour que tout marche bien. Et je suis là pour l'appuyer. Et c'est pour ça qu'il a voulu que je travaille avec lui. Mais je crois que tout va aller. D'ici peu, on va faire des efforts que l'Union puisse être l'Union qui était l'Union d'hier. Quoi. Ok. Oui, j'essaie d'apporter ma petite contribution que je peux. Déjà, le fait que je suis le vice-président et aujourd'hui, je peux donner un coup de main aux entraîneurs. Mm-hmm. J'entraîne souvent des gardiens quand je peux. Oui. Et je crois qu'à partir de ça, les jeunes, ils en profitent. Et moi, ça me fait du bien. Okay. Donc, c'est la conclusion que je peux apporter au niveau de l'Union. Et je crois que ça va aller. Ok. Et Mr. Andam, when you just got freshly into football as a goalkeeper,
talking about this soccer game. It's something, it's a domain that is it's complicated and it pulls a lot of fans, be it nationally and internationally. Today in Cameroon, in Africa, all over the world, our Cameroon is well known, you know, because of football. And when we talk about on this championnat de Cameroon, the football, do you think Fecafoot is playing a good role when it comes to organizing the Cameroon Cup? Oui, je crois que la Fecafoot d'hier, c'est les mêmes gens qui sont là aujourd'hui. Donc, le football camerounais, on sait que partout dans le monde entier, en Afrique, quand on parle de football, on parle des Camerounais. Et aujourd'hui, nous avons 4 équipes qui sont au championnat international. Et je crois que c'est bien. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que les gens de la Fecafoot qui mettent tous les moyens que le football camerounais aille plus en avant. Parce qu'on a besoin de ça. Et des pauvres Camerounais, ils veulent bien être contents tous les jours. Et quand ils sont contents à partir du football. Donc je crois qu'on doit beaucoup investir pour le football et pour les gens heureux. Okay. I've been listening to you talking all this while, and I discover, you know, I do admire your great courage, you know, not giving, not letting things go, even when people never believe in you. I want to take you back when you were like a goalkeeper playing for the national team, Cameroon national team as a Lion. You played alongside other goalkeepers like Aliou Boka, you know. By then, I want to say I was really young, but I've like come up with some investigation, you know, some research. I discovered that at that epoch, you were not given that opportunity, you know, to exploit your talent as a goalkeeper. Am I saying the truth? Non, c'est vrai. Bon, mais le problème, ce n'est pas au niveau d'Aliou Boka, parce qu'Aliou Boka était mon remplaçant. Mm-hmm. Et were you given that opportunity to express, you know, to exploit your talent as a goalkeeper while playing as a Lion? Non, j'ai toujours eu à montrer ce que je valais. Mm-hmm. Et vous savez, au Cameroun, on a eu toujours des bons gardiens de but, mm-hmm. à partir de Nkono, Bel, moi, Songo et Aliou. Aujourd'hui, c'est Kameni. Donc, je crois qu'on a tué l'école de bons gardiens. Donc, j'ai toujours eu à faire mes efforts jusqu'à là où j'ai pu arriver. Et ça m'a payé. Et aujourd'hui, je crois que je ne joue plus. Je peux faire autre chose. Peut-être enseigner des jeunes enfants à jouer au football. Parce que ce que moi, je veux savoir, c'est si on a vous donné cette opportunité de vous exprimer comme un bon gardien quand vous jouez comme un lion. Non, l'opportunité, je l'ai eu. C'est pour ça que je dis que j'ai eu l'opportunité. J'ai pu montrer ce que je pouvais faire. Okay. Aujourd'hui, je ne joue plus. Ça n'empêche pas que si aujourd'hui le Cameroun a besoin de moi, que je puisse aller aider encore des jeunes gardiens qui veulent être comme moi, comme les autres. Donc, j'ai fait à mon niveau. Bon, maintenant, j'attends d'autres opportunités. So if I understand, there was this tension, you know, you being a goalkeeper and having other goalkeepers, you know, bande de touche, cette fois c'est vous qui êtes devant et après c'est comme ça. I don't know what was going on by then. That's why people always say soccer mafia, you know. But at one point in time, you discovered that there were no more calling you, you know, to come play as a Lion. How did you feel? Did you feel any sign of frustration, or you discover you were just like wasting your time, or you wasted time? Non, déjà, il y avait beaucoup de gardiens au Cameroun, des bons gardiens. Oui. Et c'est normal que quand on ne te retient pas, que tu sois frustré. Okay. Et moi, à un moment, quand j'ai estimé, après le passage de certains grands frères, j'ai estimé que c'était mon moment maintenant de montrer ce que je savais faire. Et d'autres gens n'ont pas voulu que ça soit ça. Et c'était normal qu'ils soient frustrés. Parce que je me rappelle en Coupe du Monde 98. Quand je vais en Coupe du Monde, je sais bien que j'étais bien en forme, je pouvais bien jouer. Et j'ai jamais joué parce qu'il y a eu des petits problèmes entre ceux qui étaient à la tête de l'équipe. Et après, je me retrouve à la fin avec des petits problèmes auxquels les gens ont mis sur moi. Et après cette Coupe du Monde, on ne m'a plus jamais appelé jusqu'à... je ne sais pas... En 2009, je n'ai jamais compris pourquoi. Donc ça veut dire qu'il y avait des problèmes quelque part. Et moi, ça m'a beaucoup frustré, mais c'est la vie et on essaie de faire avec. Mais je crois, dans la vie, quand quelqu'un aime
faire quelque chose et qui sait le faire, qu'on lui donne l'opportunité, la chance de pouvoir s'exprimer. Et moi, c'était pas mon cas. Talking about football, you know, the celebrity, you know, football life. Today we see so many footballers. Ifarout, I don't know. By then, what was your pay package? J'ai gagné ce que je pouvais gagner et j'ai pu investir ce que je pouvais investir. Je peux pas dire que je vais me mettre à faire la folie ou je vais me mettre à farouter comme on dit. Donc j'ai gagné un peu, j'ai pas tout gagné. Donc ça ne veut pas dire si on a tout gagné, on va investir plus sur ceux qui n'ont pas tout gagné. Donc le peu que j'ai gagné, j'ai pu investir. Donc aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai gagné dans au niveau du football. Et entre vous les joueurs à l'époque, ça s'est passé comment? Was that did you notice or that did you feel that love? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent il y a le camp de Song, il y a le camp de Etofis. En fait, à mon époque, on n'avait pas ce problème-là. Et même aujourd'hui, c'est les Camerounais qui essayent de pouvoir brûler des trucs. Je crois que nous, on s'aimait quand nous étions ensemble, okay. Et même quand on n'était pas ensemble. Okay. Mais aujourd'hui, je crois que ces mêmes gens, ces jeunes qui sont là, ils s'aiment aussi entre eux. Mais bon, c'est normal qu'il y ait un peu de concurrence. Et qu'aujourd'hui, que c'est Eto qui est le patron de l'équipe nationale. Et que tout le monde a accepté. Donc je ne crois pas que les gars ne s'aiment pas, ils s'aiment bien. Donc s'ils ne s'aiment pas, ils ne seront pas ensemble. Okay. Donc, ça veut dire que comme ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils s'aiment et c'est pour ça qu'ils jouent ensemble. Okay. Donc parfois c'est les gens qui créent les histoires comme ça pour rien. Oui, les gens créent les histoires. Moi, j'ai été capitaine d'équipe nationale. Oui. Et aujourd'hui, je ne suis plus. Donc, sont aussi été capitaine d'équipe nationale. Aujourd'hui, il n'est plus. Aujourd'hui, c'est Eto. Donc ça veut dire que demain aussi, Eto ne serait plus. On va donner une autre personne. Donc c'est ça le problème. There's a slogan, on dit souvent Lion pour la vie, Lion for life. Presently, do you feel like you're still a lion? Non, je suis un lion jusqu'à la mort. Donc, si j'ai porté le vert ou jaune, aujourd'hui, je ne suis plus. Donc, je suis un lion jusqu'à la mort. Mm-hmm. Et comme on dit toujours, nous sommes comme les militaires et nous sommes les anciens combattants. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que même si on ne joue pas aujourd'hui, on peut nous appeler au niveau de l'équipe nationale, on va aider ceux qui ont besoin de nos aides. Et je crois que. On est lion jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, quoi. Stories always come up, you know, about your personality. At one point in time, it was rumored that you had a squabble with Gujol. I hope that's the name. Un instant, il avait dit que vous prenez les balles que c'était qu'on avait acheté pour les lions. Non, c'est une histoire qui est très très compliquée parce que. C'était un truc personnel entre vous donc? Je ne peux pas dire si c'était un problème personnel ou pas. Parce que je sais, quand j'étais capitaine de l'équipe nationale, j'ai qualifié l'équipe pour la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud. Et tout s'est bien passé. Bon, malgré que j'ai fait un match à part, on a voulu me mettre au banc de touche, c'est eux qui savent. Mais je crois que le véritable problème, c'est quand nous sommes entrés dans la Coupe du Monde en France. C'est là où mon problème a commencé vraiment avec l'équipe nationale. Parce que je ne comprends pas que moi, à mon état professionnel que j'étais, que je puisse donner des équipements, des ballons au club camerounais auquel je n'ai même pas joué. Donc tout ça, je le fais parce que j'étais un peu gentil. Et qu'on trouve que je suis rentré de la Coupe du Monde, j'ai volé des ballons. Et jusqu'à m'empêcher que je puisse sortir du Cameroun pour aller retrouver mon travail. J'ai trouvé ça très très scandaleux. Bon, avec l'appui de mon président Philippe Margamboa qui a essayé un peu d'arranger ce problème parce qu'en effet il n'y avait même pas de problème. Donc c'est les problèmes que les gens ont voulu mettre sur moi. Et ça s'est passé comme ça. Donc, character assassination. J'ai payé ce que il fallait payer et ils m'ont laissé partir. Donc c'est depuis ce jour qu'on m'a plus jamais appelé l'équipe nationale de 98 jusqu'à aujourd'hui. À cause des ballons. On dit qu'à cause des ballons. Et des ballons, quel ballon, je ne sais même pas quel ballon. Donc c'est des petits problèmes que les gens ont voulu créer et ils ont créé, ils ont reçu. Bon, moi je suis tranquille dans mon coin, donc je n'ai pas besoin de me faire casser la tête, quoi.
was re-elected last year for another term of office as president of FECAFO. Apart from him, so many people, you know, presented that candidature, you understand? But he was re-elected as an insider, you know, somebody who knows what is going on. Do you think the others are not qualified, you know? They're not qualified or they were not qualified to stand in as president of FECAFO? Non, tu sais, au Cameroun, tout le monde est qualifié, tout le monde peut se candidater pour être le président de la FECAFO. Mais je crois que pour le moment, le président Iya Mohamed, qui a été là pour longtemps, il a l'expérience. Il a essayé de tout faire pour que le football camerounais puisse progresser. Bon, ben, nous, on attend beaucoup de lui et on sait qu'il pourra le faire. Déjà, on a eu un stade synthétique à Douala, un stade gazonné à Yaoundé. Mais tout ce que moi je pense, si on pouvait avoir plusieurs stades comme ça dans tout le Cameroun, ça ferait que le football camerounais puisse progresser. In the past years, I would say somehow presently, there's this squabble, cacophonie, comme on dit en français, in that's FECAFO, those people governing FECAFO. And football fans and some football experts do say it's now like affecting the performance of the Lions when they go on the pitch to play against the opponent. Is that true? Non. Parce que FECAFO est mal géré, c'est pour ça que les Lions, en fait, on ne joue pas bien. Non, moi je crois que la FECAFO et les Lions, ça n'a rien à voir. Puisque le président de la FECAFO s'occupe du football camerounais. Et au niveau de l'équipe nationale, nous avons un entraîneur, le staff de l'équipe nationale. Donc je crois que chacun doit faire son travail. Et ce n'est pas ça qui a fait qu'on ne puisse pas gagner la Coupe d'Afrique. Déjà, on était mal préparé et ce n'est pas en 5 jours qu'on peut aller préparer un tournoi et gagner. Donc je crois que c'est deux choses différentes. Que ceux de FECAFO fassent ce qu'ils ont à faire et que l'équipe nationale aussi essaie de faire ce qu'ils ont à faire parce que tous les Camerounais attendent beaucoup d'eux. Bon, on n'a pas pu aller très loin en Coupe d'Afrique et nous avons aussi une Coupe du Monde qui est bientôt en juin. Donc je crois que si on est bien préparé, on espère que le Cameroun pourra aller plus loin. It has taken the Cameroon, that's football governing body, FECAFO, to have what we call a synthetic football pitch. For how long again is it going to take them to maintain all of the football stadium that we have in Cameroon today? Because when we talk about Cameroon out of Africa, people talk, they refer to football. What can be done in order to give the Cameroon fans, the footballers, you know, lovers of football, a good, you know, standard football stadium? Oui, déjà, le synthétique, elle est bien. Mais je crois que si au Cameroun, on pouvait avoir des stades un peu de partout. Ça permettrait aux jeunes enfants de travailler et jouer le bon football. Aujourd'hui, quand nous passons, on va au stade annexe, on voit c'est un stade là où nous avons joué. Aujourd'hui, ce n'est même pas gazonné. Moi, je crois qu'à mon avis, ce stade synthétique, ça pouvait être au stade annexe. Et on essaie de mettre le gazon ici. Nous avons des stades à Bafoussam, Bamenda et un peu de partout. Là. On doit avoir des stades. Bon, moi, je crois que si quand même la fédération veut quand même que nous ayons des bonnes structures pour le football, et on pourrait l'avoir. Sauf que je crois que c'est un peu de la paresse parce que pour un pays comme le Cameroun, quand on parle du Cameroun, on parle du football. Oui. On parle de Roger Milla. Oui. Pourquoi pas avoir des structures qui vont nous permettre de pouvoir avoir des endroits bien là où les gens peuvent bien s'exprimer. I understand because looking at that projector, tout ça, ça ne fonctionne plus. Il y a les herbes qui poussent partout, rust everywhere. Oui, c'est vrai. C'est pas moi qui dois dire. Quand on voit le stade, ce n'est pas le stade qu'on a. On avait 20 ans en arrière. Donc tout est un peu hors du temps ici. Et je crois que les gens de la fédération déjà, ils viennent parfois voir des matchs ici. On pouvait au moins se mettre de la propriété. Vous voyez, même quand tu viens au stade, tu n'as pas de toilettes. Pour un pays comme le Cameroun, c'est pas bon. Oui. Mais je crois qu'on pouvait au moins se mettre des choses auxquelles les gens pouvaient avoir des conditions d'y aller, peut-être à la mi-temps et toutes les histoires. Vous voyez, il y a des fers partout. Les lumières ne donnent pas, on ne peut même pas jouer ici à 19h.
alors qu'avant on le faisait. Moi je crois que si les gens de la fédération veulent que nous ayons des stades au Cameroun, avec l'appui de certaines sociétés qui veulent investir, donc moi je ne comprends pas pourquoi ils ne pourront pas le faire avec ces sociétés, parce que nous avons besoin. Nous allons en Coupe du Monde, on va dire, je ne sais pas, parce qu'il faudrait aussi un jour qu'on organise la Coupe d'Afrique, oui. Ou peut-être penser un jour à la Coupe du Monde, oui. Mais sans ce stade-là, on ne pourra rien faire. Donc je crois que vraiment, qu'on se mette tout ensemble et voir comment on peut faire pour le football camerounais évoluer. On parle de, we talk about slavery, esclavage. Les gens disent que c'est fini. Mais quand ça vient dans le monde de football, football experts disent toujours que ce n'est pas fini. Because, why? Most African countries depend solely on foreigners to become coach, you know, coaches in the different African football soccer teams. What can be done? Or for how long? Ça va nous prendre combien d'années pour arrêter ça? Pour commencer à to believe in, for example, a Cameroonian standing up to become a coach, you know, for the Lions. Ben moi je. Donc on dépend toujours les gens qui viennent. Oui, c'est la politique du Cameroun. Quand on voit bien, vous voulez qu'on mette un entraîneur camerounais devant l'équipe nationale, c'est des bons entraîneurs. Oui. Mais je crois que moi, à mon avis, je préfère qu'on mette un blanc qui va faire bien son travail. Parce que l'exemple, c'est là. Je n'ai pas eu de problème avec des gens, mais les gens m'ont cherché à me faire des problèmes. Parce que tous étaient des Camerounais. Et c'est eux qui étaient à l'équipe nationale. Moi, je crois que le blanc, il viendra, il va peut-être changer des choses. Je ne dis pas que nous n'avons pas d'entraîneur noir. Nous avons des entraîneurs camerounais qui sont capables de le faire. Et même si on met un entraîneur là devant, il faudra qu'on mette un blanc à côté. Là, ça va permettre d'éliminer beaucoup de choses auxquelles nous sommes passés. Et je ne souhaitais pas que les enfants et demain aussi viennent passer les mêmes problèmes que nous avons passés. If I understand, it means if a Cameroonian becomes a coach, you know, for the Lions, it's going to be something like very, very impossible. Non, il essaie de gérer. C'est pas impossible. C'est possible qu'il gère et oui. Qu'il le gère bien. Oui. Mais c'est très difficile. Vous savez, parce que nous sommes au Cameroun, vous savez comment ça se passe. Moi, je parle parce que j'ai un exemple. C'est l'exemple. Donc, je ne souhaiterais pas que les enfants qui vont venir demain derrière qu'ils aient les mêmes problèmes que j'ai eu. Si le Cameroun a estimé que c'est un entraîneur blanc qu'on doit mettre, mais qu'on le mette et on lui fasse confiance, puisque c'est les blancs qui ont toujours fait, bon, en dehors de le coach Seke Leonard qui, une fois, nous a amené, je sais pas, en Coupe du Monde ou bien c'est où ça. Après, bon, on l'a enlevé. Il y a aussi Akuno qui a fait un truc avec les jeunes. C'était bien en dehors de ça. Mais je crois qu'il faut mettre un blanc, c'est tout. Ok, let's talk about what is happening right now in a recent time. In order for Cameroon to qualify for the African Nations Cup that was hosted by Angola and South Africa 2010, was it necessary for Paul Le Guin to come in as coach? Parce que c'était vraiment nécessaire pour lui pour venir comme coach. Bon, je ne peux pas dire que c'était nécessaire puisque celui qui était là n'a pas eu de résultat. Donc il a fallu que, comme le Cameroun voulait à tout prix aller en Coupe d'Afrique, en Coupe des Nations, ils ont estimé qu'il fallait qu'on appelle Paul Le Guin. Bon, il est venu, le Cameroun est allé en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Donc, maintenant, je ne sais pas si. Je crois qu'on a eu la chance avec lui. Oui. Bon, maintenant, attendons voir en Coupe du Monde, parce qu'en Coupe d'Afrique, on n'a pas eu de la chance. Oui. Il nous a qualifiés, c'est bien beau. Bon, oui. Maintenant, le plus important, c'est que on fasse une bonne compétition en Afrique du Sud. Wow, people, how time flies. That's been the call. And having you watching back home, you out there in Paris. You know, what time is it? I'm about to bang, because that's been the call. I want to thank you for being out there watching, for sending in your mails. But if that you're new, you don't know what's going on, I want you to take path, because we need you. You know, we need that collab, as I always put it. The show is going on at yahoo.fr. For more information, because I know you love the call, go to, it's simple, the call, theskyblock.com. The block ends with a G. I want to thank you, Africa, from the softest part of my heart. My director is giving a big ching-ching. And what I want to see, what I want you to do next time is just to have you in front of your TV screen. And Tixit, you are the DJ, and I'm the MC. Queen B says, God loves you.
Mutic is only made with high quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, Joie de Vivre of Cameroon. Yeah.